C'est extrêmement vaste et complexe comme question, mais je pense profondément que c'est quelque chose qu'on doit se poser lorsqu'on débarque sur YouTube. Est-ce qu'on est légitime de parler d'un domaine, d'un art ou de quelque chose relié à une passion lorsqu'on débarque sur YouTube ? Si vous saviez à quel point je me suis remis en cause des fois. Peut-être simplement parce que vous remettez en cause mon point de vue, ce qui est une chose excellente d'ailleurs dans la majorité des cas, mais qui parfois pousse un peu à la remise en cause, au questionnement. À cet instant fatidique où l'on se dit que peut-être notre présence sur Internet n'est pas forcément utile, ou ne serait-ce qu'un tant soit peu légitime. Et alors là, c'est le grand chamboulement, la dévastation et l'instant de gros trous noirs qui parcourent notamment la chaîne de ce sacré Durandal qui, des fois, s'éclipse durant quelques temps. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais parfois je pense que c'est surtout difficile pour un créateur de se la poser lorsqu'il est dans sa petite bulle et son univers. Pourtant, je pense que lorsqu'on est sur YouTube, on se doit de se poser cette petite question de temps en temps, histoire de ne pas non plus trop sombrer dans une forme d'ego trip dont j'évoquais déjà la possibilité le mois dernier. Il faut que vous soyez objectif sur ce que vous créez, que vous sachiez à la fois vous remettre en cause et en même temps simplement prendre un peu de recul sur ce que vous faites. C'est un art à part entière que celui de savoir si on est légitime sur YouTube ou non. Mais pour autant, il est évident que c'est quelque chose que vous devez de maîtriser et d'accepter si vous voulez avancer ne serait-ce qu'un tout petit peu au sein de ce monde parfois impitoyable avec ses créateurs. C'est très bien de créer, mais c'est rare de voir des créateurs réussir à se poser et à se dire « est-ce que c'est tout simplement suffisant ?» Mais n'en faites pas trop tout de même. J'ai vu beaucoup trop de collègues se perdre là-dedans et ne pas réussir ensuite à remonter la pente et à avancer dans la bonne direction tout simplement. Mais franchement, un peu de remise en cause sur sa légitimité, cela ne fait pas de mal. Soyez simplement objectif sur justement cette légitimité, car on n'est pas toujours légitime lorsque l'on arrive, mais l'on peut gagner cela en réussissant à devenir quelqu'un au fur et à mesure, et c'est là que la fameuse remise en cause vient jouer son petit jeu trouble, mais finalement utile, celui de savoir quand, comment et pourquoi aller dans une direction incertaine, mais nécessaire si l'on veut se comprendre et surtout cerner l'importance de son travail. Et là, vous êtes prêt à avancer et à créer quelque chose sur YouTube. Mais créer quoi finalement ?